Elle est de ce côté-là, la voiture. Merde, attends. Vous aimez ce genre d'ambiance familiale? Lucien, viens ici. Lucien. Alors, dans la famille Marciano, laissez-moi vous présenter... La famille. Le père. Oh. Bonsoir. Lucien, tu m'entends? Lucien, tu viens ici tout de suite. La mère. Lucien. C'est pas possible. Il est chiant, ce gosse. Le frère de la mère. Et dans cette petite famille, il y a aussi le petit copain de la deuxième sœur. Félicitations. Qui est un peu comme un beau-frère. Vous connaissez depuis longtemps? Non. Pas vraiment, en fait. Lui, c'est le grand-père du fils du père. Papa du papa. Vous suivez toujours. Parce que tout ce petit monde va dîner chez le frère de la mère. Oh, chier. Mais dont le père a un peu de mal à s'entendre avec la femme du frère. Vous avez pas pu te faire garder? Bonsoir. Sans compter sur la deuxième sœur. Bon, bah Jean-Pierre, c'est ta sœur, elle s'est encore perdue, elle est à la station-service. Pas vrai. C'est lui, mon grand frère. Tu vas voir, il est super sympa. Mais comment tu fais pour te planter à chaque fois? Tiens, pas le rond-point, tu tournes à gauche. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Et le fils du père qui a bien du mal à s'entendre avec la femme du frère de la mère. J'ai toujours dit, quand on épouse une femme, on épouse aussi sa famille. Tu te rends même pas compte, on n'a plus aucune intimité. Sans oublier le frère de la mère qui, sous l'influence de sa femme, se convertit peu à peu au judaïsme, tandis que sa sœur, la belle-fille du grand-père du fils du père, donc la mère, héberge toute une famille de Pakistanais sans tapis. J'ai calme, j'ai calme. On est sur l'autoroute là, tu vas pas me laisser là, putain. Hé, hey, oh, ma veste. Mais rassurez-vous, toute cette petite famille est tellement proche. Mais Bruno, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je pensais qu'on partait du coup, moi. Mais vous restez pas pour le café? Si, je reste, oui. Je vais prendre un déca, s'il vous plaît. Mais rapide, hein.